Hey, hey, hey. C'est reparti pour la suite de Plague Tale: Innocence. Marchandise endommagée, j'ai pas été chercher loin. En traversant les ruines d'un champ de bataille, Amicia et Gaolika ont croisé deux jeunes pillards qui se sont servis d'eux. J'arriverai jamais à lire en entier. Pas loin. Baisse la voix, tu veux? Ces chiens ont pris ma fronde. T'en as pas besoin. Viens. Bon. On s'est trouvé les copains. Y'a un garde. Arthur va le faire bouger. Quoi? Comment? Il va faire diversion. Il attend notre signal. Regarde si tu vois quelque chose qui pourrait nous aider. Les bouteilles là. Non, ça va nous bloquer. Les cruches là-bas, trop mal placées. Oh, et ta mère, hein? J'arrête. Très bonne idée. Tiens-toi prête. Prête à quoi? À me coller au train. Alors, c'est ton frère? Ouais. Un bruit. On y va. On a une idée du nombre de morts de notre côté? Difficile à dire. Des milliers, ça c'est sûr. Mais les rats compliquent le comptage. J'aurais pu t'en jurer. J'ai arrêté de la suivre. Hugo est seul avec ces criminels. Ils lui feront rien. Tu comprends pas. S'il a peur... Sois patiente. Attends, parce que tout en étant inquiète pour mon frère, je dois reprendre du loot. Elle est où? Mais d'où ils sortent, ces foutus rats? C'est une ruse des Valois ou quoi? Non. Les rats ont décidé... Il faut se frayer un chemin. On rapporte des milliers de morts par morsure, contagion. Tu as vu ça? Ça fera pas assez de bruit. Le bras zéro, c'est du métal. Non, on va être bloqué. Oh, tu me caches les couilles, hein. Le roi Edouard doit rapatrier nos troupes. Le tonneau avec les lances, bien vu. Tiens-toi prête. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qui sait qu'est-ce qu'il vise en fait? On y va. Fais gaffe aux bouteilles. Il a une position chelou pour dormir lui. D'attendre entre deux batailles. Et les deux là avec leur arc qui la ferment jamais. Oh, ils s'entraînent sur un mort. Eh oui. C'est ça la guerre. Oh. Voilà comment on enseigne la discipline à un Valois. Hey, reste baissé, d'accord. Hier. Ouais, mais c'était pas dur. C'est con là. On y va. Sans réfléchir. Je me demandais où elle était. Les héros et leur armure qui brillent. Il suffit de trouver la brèche, et hop! C'est les meilleures cibles. Fais attention. C'était une sacrée putain de victoire, je vous le dis. La Guyenne est de nouveau anglaise, les gars. Ah ouais? Va faire un tour là-dehors, et tu verras que la Guyenne appartient à ta bras. Non. On les repousse avec on des... On va devoir passer par là. Regarde, la marmite. Ouais, t'as l'œil, dis donc. Comme des diables. Tu te baisses. On y va, à gauche. Fais attention, tu connais les ordres. Rien d'anormal. D'accord. Quel genre de prisonnier justifie une rançon aussi élevée? Des enfants de Valois. Le fils et la fille du chevalier Robert de Rune. Le chevalier à l'arbre. Ses faits d'armes du temps où il guerroyait sont célèbres. Mais il n'est plus au service du roi Philippe. Un tel intérêt pour des enfants est étrange, en effet. Allez donc questionner la sœur. Elle doit être réveillée. Oh non, t'inquiète. C'était couru d'avance. Autrement dit, l'alarme va être sonnée d'ici très peu de temps. Pas mal du tout. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment. Je rentabilise ton sauvetage. Voilà ce que je fais. Moi, j'ai fait pareil. La poudre.
Moi, ça m'intéresse. Je peux l'ouvrir. Dis-moi. Je veux bien, s'il te plaît. Voilà. Amuse-toi. Bien joué. Allez, j'arrive. S'ouvre, salpêtre. Oui. Silence. Mélie, pas par là, ils sont trop nombreux. Je m'en fous, je pique de l'alcool juste sous leur pif. On va manquer de pain et de vin. Oh là là. Par contre, je vois pas les chemins qu'il utilise là. Chaque victoire, c'est pareil. La moitié des réserves part en fumée. Oh, mais t'es folle, Marquois. C'est passé, non? De justesse. Ouais. Non, on croit se passer plutôt easy. Tu seras loin d'ici. Hé, hey, Amicia, où elle est? Oh, sœur. Chut, salopard. Donc on va la garder avec nous, pas vrai, les gars? Non, non, s'il vous plaît. Oh, réjouis-toi d'être la encore fille, vivant. La fille. C'est une chose rare, ces temps. Hein? Quoi, la fille? Mais allez, parle. La fille s'est échappée. Sa cage est ouverte. Tout le monde la cherche. Merde. Dispersez-vous. Surveillez les portes. Et restez sur vos gardes. Une cage s'ouvre pas comme ça. C'est peut-être un coup des Valois. Profitons-en. Hugo, je suis là. Amicia, ça va? Tu n'as rien? Non, s'il te plaît, fais-moi sortir. Faut descendre cette cage. Ça va aller, Hugo. Dis-moi, ma fronde, ils l'avaient quand ils t'ont enfermé? Oui, ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. D'accord. Ça va à peine faire du bruit si je le fais descendre avec la fronde. À toi, Mélie. Enfin, maintenant, Hugo, je dois décrocher sa cage. Mais il va se faire mal. Heureusement qu'ils sont occupés. Mélie, la serrure. Les tentes! Fouillez-moi ces tentes! Facile. Ils ont dit que quelqu'un va m'emmener. Tout va bien, Hugo. On va partir d'ici. Amicia, oh, ils ont dit que j'allais partir et que je te reverrai plus. C'est faux, tu vois. Je suis là. On reste ensemble, hein? Bien sûr. Et on va partir avec Mélie. Elle est là pour nous aider. C'est la voleuse. Et elle est désolée de nous avoir dénoncé tout à l'heure. Hein, Mélie? Ouais, ouais, je suis une vilaine fille. Rien. On peut se tirer. Prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord. Il y a une sortie vers le fond du camp. Si tu sais te servir de cette fronde, vaut mieux que tu passes devant. Je suis pas sûr de comprendre par où je dois aller là. Toujours rien. Vous êtes sûr qu'elle est pas sortie du camp? Répartissez-vous, séparez-vous et faites attention au temps. Je veux des hommes du côté du rempart est. Ce que je sais passer là. Non. Non. Fouillez-moi
Merde. Peut-être réagir un peu plus vite. Bon. Eh, j'ai pas vu ça. Oh, c'est sérieux. Chier. C'est bon. Là, il se barre. On en profite. Bon, il y a des loot à récupérer, mais. Peut-être qu'elle est toujours près des cages. J'aime, hein. C'est son frère, ça, je crois. Non ? J'ai un peu trop par là-bas. Jamais dû venir. Ah. Bon, ça va, j'ai déclenché une cinématique, ça marche aussi. Je paye une rançon pour les enfants de Rune et je dois les capturer moi-même. Ces Plantagenets sont vraiment des incompétents. C'est lui qui a tué mes parents. Il va nous massacrer. Melly, fuyez! Ces Plantagenets. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Garde devant! Élimine-les, Amicia! Mais hey, l'Inquisition! C'est la fille et son frère! Qu'est-ce que vous avez fait? Arrêtez! On n'a rien fait! Ils veulent. Putain, mais. Trop lente! Amicia est morte, Amicia fait ce qu'elle peut, hein. Garde devant! Élimine-les, Amicia! L'Inquisition! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Rien! On n'a rien fait! Il est mort de se tirer! En avant! L'échec! On a une sortie! Remets-toi! Ne ralentis pas, Hugo! Suis Melly! Amicia! Ne pas le prendre. Arrête de courir! Vite, Amicia! Livre-nous, Hugo! Oui, j'arrive! Non. Je l'aime bien, ce mioche, moi. On ne me le piquerait pas. Eh merde. Mais oui, mamie, ça fait de la merde. C'est pas vrai, c'est fermé. Allez. C'est bon, on y va. Marchez à gauche. Baissez-vous. C'était quoi? Je... Fermez-la, fermez-la, laissez-nous tranquille. J'ai crevé. Amicia, ramène-toi. Là, ils sont là, attrapez-les. Amicia. Allez, allez.
Bah, du coup, là, on va en enchaîner deux, parce que c'était quand même très court. Le chemin qui nous attend. Chapitre 7. Je sais pas combien de chapitres. Tu sais où on va ? Pour l'instant, on doit se planquer. Avec Arthur, on a un endroit. Et Lucas ? Il vous attend dans votre château. On verra plus tard. Alors on va revoir Lucas ? J'espère, oui. Je l'aime bien, Lucas. Il est gentil. Garde ton souffle, Hugo. On est sur la bonne piste. Allez, traînons pas. On n'est pas sortis d'affaires. Coucou. Au fait, qu'est-ce que vous foutez avec l'Inquisition aux fesses ? Il a quoi de spécial, le petit ? C'est... Je joue pas à Call of, finalement. Compliqué. Hein ? Et ton frère ? Ça va aller ? Il nous rattrapera. Il nous a vraiment sauvé la vie. C'était incroyable. Eh, hey, tombe pas amoureuse, t'as compris ? Ou il brisera ton petit cœur. Quoi ? Mais non ! Hé, hey, un moulin ! Ouais, on va traverser par là. Là, je suis sûr. C'est quoi ces oiseaux ? Des canards. Oh. Comme ceux qu'on mange ? Oui. Et les canards mangent des grenouilles. C'est la vie, Hugo. Ça va ? Je vous dérange pas ? Allez, viens. Mais vaut ne pas rester là. Je veux dire, à mon avis, je loupe plein d'objets. Il est toujours... comme ça ? Quoi, mignon ? Il a pas beaucoup vu le monde. C'est pas le meilleur moment pour commencer. Le premier au moulin a gagné. Hé, moins vite. C'est fermé. Laisse-moi faire. C'est ouvert. Elle est géante, ces trous. C'est pour écraser le blé. Arrêter la roue. Et comment on va l'arrêter ? Amicia, on va trouver un moyen. C'est l'heure des énigmes. Le courant diminue, mais c'est pas suffisant. Il doit y avoir autre chose. Vas-y, Hugo. D'accord. Ça marche ! Ouais ! Allez, il y a plus qu'à traverser. Ouais, mais non. Mélie, tu peux t'en charger ? Bon, on va voir si ça tient. C'est pas aujourd'hui que je prendrai un bain. Arrête. Oui. On cul que ça tient, ouais. Je peux pas faire passer le petit ? Non, arrête-toi. Ça marche. Ah, attends. Si moi je fais ça. À toi, et qu'elle, elle fait ça. Tu veux bien t'en occuper ? Tout de suite. Le pont-levis est abaissé, princesse. Tombe pas à la flotte.
Ok. Et voilà. Tu vois, c'était pas dur. On a battu le moulin. Si jamais l'Inquisition arrive jusqu'ici, ce truc-là les ralentira à coup sûr. Ah bah c'est sûr qu'ils doivent faire le même bordel que moi. Ils en ont pour un moment. Ah. Là j'ai un outil. Alors, je peux me faire un attirail. Courir, esquiver, faut moins de bruit. Ça va me simplifier la vie. Voilà. Hop. On va passer par là. Allez. T'essayes de m'impressionner ou quoi? Hein? Bah ouais, j'allais dire, non. Pourquoi je se la pète comme ça? C'est joli ici. Ça sent la terre. L'aqueduc. Lucas est là-bas? J'espère. Il va pas avoir fière allure, votre château. Pourquoi? C'est vrai que c'est beau. Il y avait un village ici. Il a été rasé en une nuit, il y a bien longtemps. On dit que le coin est maudit depuis. Oh, Micia. Elle plaisante, Hugo. Bien sûr que je plaisante. Depuis quand je dis des trucs vrais? Et sinon, personne ne oui. dit au gamin que ça a que du, je sais pas, que du. Ailleurs. Un peu comme. Oh. Ah, son herbier. Tu sais ce que c'est? Une aubépine, je crois. Personne l'aime à cause des épines, mais elle est bonne pour le cœur. Tu en sais des choses. Maman m'a appris. Alors, tu m'apprendras? Et toi, tu m'apprendras à utiliser une fronde? Marche, oh. C'est mignon. Là, j'ai loupé une fleur. Un buisson épineux utilisé pour limiter les pourpris. Ces enclos délimitant les jardins et les propriétés, aubépine est ainsi devenue symbole de l'espoir prudent. Elle est l'objet de nombreuses légendes, la plus prestigieuse d'entre elles la dépeignant comme la couronne d'épines du Christ. En décoction, elle régulerait les battements de cœur et apaiserait les difficultés respiratoires. Comment ça, il sert à quoi le gosse? Un enfant n'a pas besoin d'avoir une utilité, hein. Mais oui, c'est son petit frère. Et apparemment, il est au centre de toute l'histoire, vu que l'Inquisition veut le kidnapper parce qu'il est lié à la malédiction de la peste qui frappe tout le monde. Amicia. Hugo, qu'est-ce que tu fais? Viens. Hugo. Hugo, regarde-moi. Ça recommence? C'est ta tête, c'est ça? C'est comme une chose qui grossit dedans. Mes jambes, elles tremblent. Me dis pas qu'il a été mordu. C'est pas la morsure, c'est quelque chose dans son sang depuis qu'il est petit. Je vais le porter. Grimpe sur mon dos si tu peux. Allez. Celui-là est pas vraiment en état de faire des tâches ménagères. Ne t'inquiète pas. Si c'est dans son sang... Toi, t'as rien? Non. Mais Lucas essaie de freiner son mal. C'est aussi pour ça qu'on va au château. Amicia... J'ai peur. De quoi, Hugo? De ce qu'il y a dans ma tête. T'en fais pas. Ça arrive aussi aux grands, ça. On y est. Tu vas te reposer. Enfin. Aide-moi à soulever ça. Combien de temps qu'ils ont pas bouffé, ces Hugo, gens? Descends, s'il te plaît. C'est ça ta maison? C'est une plante de mon conseil. Elle a dit quoi? C'est fait pour se planquer, pas pour recevoir des gens de la haute. Touche pas! C'est à mon frère. Et oh, tu parles gentil au gamin? Ou je te fous une mandole? Ça fait longtemps que vous vivez comme ça? Comme des gibiers de potence, tu veux dire? C'est comme ça chez nous. Notre père, il nous battait tout le temps. Et puis un jour, c'était la fois de trop, alors on a détalé. Mais toi, t'es noble, tu connais pas tout noble ça? Noble? Amicia! Ça veut dire quoi, ça? J'ai froid. Noble? Regarde-nous bien. On n'a plus rien, Mélie. Tu te fous de moi? Qui c'est qui va nous payer, alors? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ton copain, Lucas. Il a dit que vous étiez riche. Mais... C'est bon, oublie ça. Bon, prenez la paillasse d'Arthur. Quand il reviendra, on aura une petite discussion.
Ce qui se passe dans sa tête, de tout ce que j'ai entendu, c'est qu'elle lui a dit que les grands avaient pareil peur de ce qu'il y avait dans leur tête. Mais... elle a remis son skin de baroudeuse. On est dans la merde. Non, c'était rien. Hé, hey, les gars! Par ici, venez m'aider! Où ça va? Ça va dehors. Oui, mais dehors où? Fais-moi confiance. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? J'aurais déjà dû être là. Désolée. L'enterre pas trop vite. On s'en fout d'où ça va tant que c'est loin de l'Inquisition. Il a un casque. Oh, des Vorantis. Quoi? Des Vorantis. Salpêtre et alcool. Ça brûle la gueule et ça ronge l'acier. Personne ne peut garder un casque sur la tête avec ça. Prépare-moi ça. D'accord. Alors, des Vorantis... Vas-y, vise le casque. Défonce-lui la tête avec une pierre. Allez. Je vous avais dit que je vous aurais. C'est pas assez fort, Amicia. Balance-lui une pierre. Mais merde, attends. J'ai claqué un truc que je voulais pas. Bien fait pour sa trogne. Ça fait du bruit. T'es donc, t'es pas un peu rabat-joie, toi. Oh, je sais pas en faire de comme ça. Mais j'ai surtout besoin de ça en fait. Hop, par contre, je vais me réarmer de cailloux avant de faire de la merde. Souffre. Merde, regarde. Il y en a un avec un casque. Tu sais quoi faire. Oui. Parce que moi, j'hésiterai pas. Tu sais où sont les pierres aiguisées? Dans une des caisses. Mais c'est un bordel sans nom là-dedans. Hop. Des Vorantis. Quoi? C'était quoi? C'était moi. J'aime bien. S'il y en a deux, c'est qu'il y en a d'autres. On doit sortir de là. Faut retrouver la Cuduc. Je sais. Où est le château d'ombrage? Par là. Suivez-moi. Tac, tac, pierre salpêtre. Salpêtre. Oh non, je le savais. Du calme. Des pistes, con. Mais il y en a partout des pistes ici. C'est un coin à sanglier. Rapide. Vous voyez la R s'éclairer là-bas? C'est par là qu'on sort. Bon, d'intérêt. Amicia, tu as la fronde. Tu passes devant. Hugo, tu surveilles la zone. Et tu pas un bruit. D'accord, entendu. Il me cherche encore. C'est une partie de moi qui a juste envie de... speeder jusque là-bas. Hop, voilà. Et puis... s'il passe par là, je sais me foutre dans la merde. C'est quoi? Non, 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 je suis une feuille. Je suis une feuille. Regarde, je tangue dans le vent.
pas ce bruit. Putain. Il va me faire chier. C'est bon. Je suis pas sûr d'avoir le temps d'aller là. Y'a rien. Ça va, ça passe. Bon, je me rapproche. Lui, il tourne le dos. Ah, mais t'y étais, toi. Paraît que les gamins ont foutu un sacré bordel chez les Anglais. Jamais vu une explosion pareille, quoi. Là, ne restons pas là. Allez. Je vous en prie. Trop aimable, Votre Altesse. Ben voilà. Allez. Je me suis pas fait choper. Attention, c'est Lucas. Le chariot de ravitaillement arrive bientôt. Ils t'amèneront en ville au bastion de l'Inquisition. Amicia, le Dévorantis, il t'en reste? Oui. Touche pas mon poteau, toi. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors... Lucas! Je suis tellement content de vous revoir. Oh, tu as l'air en forme. Oui, j'étais dans une cage et puis on a fait une énorme explosion. Ça a fait boum! Et on est allé chez Millie. Elle dit tout le temps plein de gros mots. Hé, je t'entends. Et toi, Lucas? Ça va? Hé, ça vous dit de faire ça en courant? Ou alors on reste là, on sort le vin, les poulardes et on attend de se faire tuer? Vous en pensez quoi? C'est vrai. Allons-y. Le château doit être tout proche. En route. Venez, l'Aqueduc continue par là. Ça n'a pas été facile de votre côté, on dirait. Tu crois? Oh non, t'avais juste oublié de nous parler de l'Inquisition. Vous n'auriez pas accepté le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi? On va s'arranger. Va dire ça à mon frère. Qu'est-ce que c'est? Un accident? C'est un chariot de l'Inquisition. Les rats. Il doit y avoir des choses à prendre. Putain, j'avais pas vu. Je vois pas comment on va pouvoir passer. Oh, Amicia, j'ai quelque chose pour toi. C'est un dérivé de l'unifère. Luminosa. Tu l'envoies au milieu des rats et... Enfin, tu verras ça par toi-même. Tiens, prends. Salpêtre, alcool et cuir. Mélange-les. Merci. Lance-le sur les rats. Ça. Ah, ça pique les yeux. Ils ont été pulvérisés. Lucas, le chariot est plein de matériel alchimique. Oui, c'est logique. Ok, donc je peux échapper à la mort si j'en ai dans mon inventaire. La macula sans l'aide de textes alchimiques. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais en tout cas, ces chariots nous seront utiles. Je ne sais absolument pas crafter de trucs. Attends, Luminosa, Somnum, ça fait 1. 1, j'ai 3 de ça, j'ai 2 de ça, et je vais m'équiper de mes cailloux. On est pas mal. La Cuduc, on arrive. Enfin, on va enfin savoir. Mais que quelqu'un lui dise que c'est Aqueduc et pas Aqueduc. Je vais t'aider. Oh, tu fais des griffes, ma chérie. J'aime bien, m'amour. On va monter sur l'Aqueduc. Hugo, on dit Aqueduc. Voilà. Aqueduc. Aqueduc. Tichou. Mélie, où est ton frère? J'ai pas envie de parler de ça. D'accord. Mais arrêtez de passer à côté de moi pendant que je vise, bordel de merde. Wow. T'as l'œil. Monte. D'accord.
a rien ici. Lucas, ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Non. Il y a un passage secret. Non, non. Laurentius était plus malin que ça. C'est un tour d'alchimiste. L'or naît du plomb. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Quelque chose comme ça. Moi, je préfère... Utilise tes yeux au lieu de parler. Qui passe en premier ? Moi. Bien vu. Amicia ? Allez, c'est plus le moment de reculer. Bien parlé. Oui. On va... celle avec le gamin. Au pire, je m'en sers comme bouclier. Oh la vache, c'est beau. Oh là là. Oh. Eh ben. Est-ce que c'est la mer ? Non. Juste une poche d'eau souterraine. Hé, hey, il y a un ponton. Des gens utilisaient ce lieu. On est sur la bonne voie. J'avais jamais entendu parler de cet endroit. Et le château ? Il est où ? Ça, pour le savoir, il va déjà falloir traverser. Et comment il nous retrouve, le frère ? Bravo. Je suis sûr qu'il est pas mort, hein, mais... Regardez ce qu'il y a là. Salpêtre et cuir. Un bac à trail. Un quoi ? C'est une barque tractée par une corde que l'on tire à la main. Yann, Mélie, tu peux le faire ? Lucas ! Viens faire ta part au lieu de roupiller. Oui, oui. L'eau est toute verte. C'est parce que plein de choses vivent dedans. Elles doivent avoir froid alors. Tu sais, il y a longtemps, Père m'avait emmenée au lac de Tourve. J'avais glissé dans l'eau et elle était tellement froide que j'en avais pleuré. C'est pas grave de pleurer pour ça. Hop, hop, je récupérais ce que je voyais briller. Oui, vas-y, monte. J'espère qu'ils savent nager. Accrochez-vous. Bah, et vous ? Ouais. Je vois pas de poisson. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout ? C'est à cause du monstre. Hein ? Un monstre ? Bien sûr. Les lacs souterrains sont magiques. Des monstres très vieux et très gros vivent dans le fond de l'eau. D'ailleurs, attention, ils ont aussi très faim. C'est pas vrai. S'il y avait un monstre, on verrait des grosses bulles. Tu as raison. Maman, elle disait que les monstres, c'est des choses... Des choses qui... Des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom. Elle m'avait dit ça aussi. Moi, j'aimerais bien voir un monstre. Allez, on débarque. Oh, c'était trop court. C'est vrai, mais chacun son tour. Bon. J'aime bien ce gamin. Il n'y a pas de monstre ici, mais il y a peut-être une baleine. C'est gros une baleine, tu sais. Oui, mais une petite baleine. Pourquoi pas ? Oh. Une baleine timide qui ne veut pas se montrer. Elle est timide parce qu'elle est petite, mais je suis sûre qu'elle est jolie. C'est bon, vous pouvez lâcher. Bah vous, et moi en vrai. Amicia et Hugo allaient peut-être mourir. J'avais peur. Je t'en fais pas. On n'en parle plus. Mais tout ce qui me plaira au château, c'est à moi. Entendu. Fermé. Pas pour longtemps. Écartez-vous. Ouvert. Oh, et voilà, ça recommence.
Ils m'avaient pas manqué, eux. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est... Non, pas possible. Je dois voir ça de plus près. Cette fosse... Quoi, Lucas? Qu'est-ce qu'il a? Ce brasier suspendu glisse le long de la tranchée. Lucas, celui-là, dans l'autre sens. C'est un système de défense. Comme un château? Comme un piège à rat, qui protège quelque chose. D'accord. Et comment ça marche? C'est simple. Les brasiers repoussent les rats dans la fosse et ils y restent. Alors profitons-en. Qui a construit ça? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air récent du tout. Viens, Lucas. On regarde. Viens, Mélie. Pendant que les hommes rêvent, il faut qu'on avance. Qui a construit ça? C'était... peut-être des chevaliers. Je doute que des chevaliers manient la pierre et le mortier. Mais les artisans, oui. Et ils étaient nombreux. Lucas, je pensais qu'elle avançait pas en bas. Le château, il a été construit il y a longtemps. Mais les rats, ils sont pas là depuis longtemps. C'est juste. Ah non, d'accord, ils descendent, les rats. Allez, à la fosse. Je dois passer de l'autre côté. Bon, allez, venez. Ok. Hop. Hé, mon frère. Pourquoi il vient pas, mon frère? Monte, je vais t'aider. Ça marche. De la vache, elle a la force dans le poignet, elle. Hop, ficelle et salpêtre. Hop, et y faire et oui. C'est des saletés de rongeurs. Tu crois qu'on peut faire tomber ça? Bien vu. Bah oui. Bien, je m'occupe de la porte. Mais je trouve cute ce gamin. Je le mets à la maison. Y'a pas à dire, c'est efficace leur système. Je passe devant. Oui, oui. Bah oui, il a l'habitude à force. Toujours comme ça. Encore une porte? C'est peut-être la bonne. Je demande juste qu'il n'y ait pas de rat derrière. Bébé chat qui ronfle. Ellie, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Oh là là, ça commence à bien faire ces portes. Il est là. Le château. Wow. Il existe vraiment. Le château d'ombrage. Il est superbe. J'ai douté à un moment. Mais ça. Ça, c'est une légende d'alchimiste comme je les aime. Allons le voir de près. Et je pense que ceci nous ramène, nous rapproche tout doucement de la fin du jeu. Et je pensais que ce serait une fin de chapitre, mais non. Je vais voir par là ce qu'il y a. Mélie, j'ai besoin de ton aide. Bon, on a abandonné Lucas. C'est bon. Merci, madame. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux recrafter? Ça, je peux pas. Des Laurentis, oui. Et Nifer aussi. Hop, voilà, comme ça, je peux récupérer le salpêtre. Alors, est-ce que ce serait ça, le fameux remède miracle? Oh, ça sent pas très bon. Un bon... Vinaigre des quatre voleurs. Ouh là là, j'ai loupé trois objets. Il existe une légende particulièrement répandue
parlant de quatre voleurs qui trouvèrent le moyen de piller les maisons contaminées sans être eux-mêmes frappés par le mal. Lorsqu'ils furent enfin arrêtés, on promit aux brigands de ne pas les condamner au bûcher s'ils révélaient leurs secrets. Ils acceptèrent rendant les détails de leur mystérieuse recette publique. Ils furent pendus sur le champ. L'efficacité de cette mixture, elle, reste plus que discutable. C'est vrai, oui. Hop, j'ai loupé pas mal de choses. Mais bon. Oh, des rats. Je vois pas comment. Wow, t'as vu ça ? L'éclair. Ils ont peur des éclairs. Essayons. Vous rigolez ? Oh, cool. Je vais crever. Allez. 1, 2... Courez ! C'est de la folie ! Oui ! Du loot ! Plus jamais ! Ah bah si, en fait. Les gens vivaient ici. On est drôlement haut. Encore un effort, Hugo. C'est loin. Trop loin pour pas... C'est le moment. Allez, allez ! Ça devrait aider. S'il vous plaît. Allez, on va y arriver. Je vais t'aider. Oui. Et du premier coup. On a réussi. On l'a vraiment fait. On a réussi. On y est. Regardez-le. Le château d'ombrage. Wow, il est encore plus beau d'ici. Entrons vite. Venez. Eh bien, autant parfois je suis très mauvaise, autant parfois je suis plutôt douée. Incroyable. La tour là-bas, ce sont les quartiers d'habitation. Elle doit avoir plusieurs siècles. Ça a l'air d'être au sec. Ouh là là. Mais il y a une fosse qui nous barre la route. C'est plein de rats. C'est encore un piège. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Tu peux t'en charger. D'accord. Elle est pas toute jeune, cette serrure. Oh, il y avait quelque chose de vivant là-dedans. C'est ouvert. Allez, pousse-toi. Tous donner rendez-vous ici, on dirait. Regardez, un brasier. Voyons voir si je peux l'allumer. Comme ça, on pourra faire. Merde ! Mais je savais pas qu'il allait le faire aussi, lui. Je vais regarder. Lucas, veille sur Hugo. D'accord. Prête, Mélie ? Du moment qu'on les dégage. Allez, le siège du château d'ombrage. Deux filles contre des milliers de rats. L'histoire se souviendra de cette bataille. Regarde, ils changent d'enceinte. Ça va les chevilles, sinon ? Ouais, et donc ? L'îlot du centre a l'air accessible maintenant. Oui, c'est une bonne première étape. Je te laisse passer en premier, parce que les rats, c'est ton rayon. J'ai compris. Merci. Ok. Je peux utiliser mon inifère là-bas. Ok. Alors, je prends ça. Je prends ça. Déjà mieux. Hop. Moment. Je vais avoir besoin de Mélie pour le pousser. Hé, hey, regardez ça. Oh. Ah d'accord, je peux le faire aller au bout. Là, tout descend. Hop. Mélie, tu peux venir ? J'arrive, même si j'étais bien là-bas.
Regarde-les. Le brasier revient tout seul. Ça brouille comme des nobles à la cour du roi. Mais c'est notre château. Bon, cela aussi doit finir dans la fosse. Et bien sûr, ils sont du mauvais côté du brasier. Je vais devoir descendre voir ce qu'il y a là-bas. Très bien. Alors je te couvre avec le brasier. Si je fais ça... Ah non, d'accord. Ou alors je l'allume, je descends... Ok. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça, en fait? Ça en enlève vraiment une partie, déjà. Genre, si je fais ça... Hop. Voilà. Il y a quelques-uns qui sont descendus. Tu m'as dit que je mets entre tes mains, là, hein? Ouais, la routine, quoi. Dis-moi quand t'es prête. Let's go. Tu veux bien y aller? Ça marche. Ça manque d'entretien. Tu préfères être en bas, peut-être? Ça va. C'est juste que... Je vois d'autres brasiers. Je peux monter sur le rempart. On va y arriver. Hugo sera en sécurité. On sera tous en sécurité. Hop. Ok. Oui. Là. Tac, tac. Tac. Mélie, je vide l'enceinte extérieure. Ils vont venir vers toi. D'accord. Mais il y en a tellement. On n'arrivera pas à ouvrir un passage comme ça. Alors, il faut qu'on vide toute la cour. Eh ben, allons-y. De toute façon, je suis déjà trempée. Donc si je fais ça... Ils sont bloqués là... Il y en a encore un peu là... Hein. Passer. Et hop, à la fosse les cancres là. Oui, parfait. Il y a encore des... Ça, c'est fait. Le dernier secteur maintenant. Je dois retourner à l'échelle. Bon, et bah c'est reparti. Vous vous en sortez? Oui. Comment ça va, Hugo? Ça va. Mais on vous entend crier. T'inquiète pas, l'orage couvre nos voix. On ira bientôt tous voir la tour. Oui, bonne chance. Alors, de là... Je serai là qui devrait se barrer vers la droite. On fuit, on fuit, on fuit. C'est un peu mieux. Donc là, je sais descendre là. Beaucoup. Et quand tu veux. Le pont. On ferait mieux de le baisser. Et c'est ainsi qu'Amicia l'Amazone et Mélie la discrète conquirent le château d'ombrage. Oh là. T'as trop lu de livres, toi, hein. Ouais, j'allais dire, pète un peu les plans. Allez. Encore qu'on nettoie ce secteur en bas. On va avoir besoin du brasier du rempart.
D'accord, je descends. Comment ça je descends? Pourquoi je descends? J'avais envie de descendre, moi. Alors, attends. Celui-là, a priori, me sert plus grand-chose. Bon, elle veut descendre, donc soit on descend. Oula, c'est quoi ça? Ça va aller, c'est juste un vieux levier qui agonise. Tu trouves toujours les mots, toi, hein? Ça va aller. C'est ton château. Vous avez une sorte de lien. Notre château. Imagine, on pourrait vivre ici tous ensemble. Je suis plutôt une fille de cave, moi, tu sais. Comment je vais faire pour monter? Tu dois avoir une échelle. Ces saletés de rats sont partout. Bam, ici à l'Amazon. Raconte-leur une histoire. Très drôle. Hop. Hop. Ah, je fais ça. Ça. Est-ce que je sais atteindre l'échelle? Hop, voilà. Là, je monte. Quel est mon intérêt à être ici? Là, j'imagine. Hop. 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 Et ceux-là, je peux les refaire. Là. Presque, putain. Et c'est sur ces nobles paroles qu'elles s'apprêtèrent à récupérer ce qui leur revenait de droit. Un vrai foyer. Arrête ça. Allez, je suis sûre qu'il y a une cave pour toi ici. Amicia, c'est pas si simple. Tu me connais pas. D'accord. J'ai compris. Maintenant, lâchez les dragons. Allez, reculez, saloperie. Reculez devant Amicia l'Amazone et Mélie la Furie. Quoi? Mélie la Furie? Je t'avais dit que tu me connaissais pas. Ben voilà. On a réussi. On les a repoussés. Le château nous a sauvés. Ouais, Laurentius avait raison. Pour célébrer notre victoire, ça vous dit pas qu'on aille se mettre au sec? Allez, tous à la tour! C'est parti, venez vous réchauffer. Ça a l'air immense. On aura le temps de mieux voir demain. C'est chez nous maintenant. Et je pense que ça, c'est une fin de chapitre. Chez nous. Et je pense que c'est une fin d'avant-dernier chapitre. Si pas l'avant-dernier, au mieux je dirais qu'il en reste deux. Comme d'hab, j'attends la fin de la cinématique. Et je fais un petit cut. Je faisais un cauchemar.
Tu... T'es déjà debout? Oui, j'ai trouvé plein de choses. Viens voir, tu vas adorer. Nous partirons allez, donc. Allez. C'est quoi ce bruit? On se calme. Suis-moi, tu vas voir. Allez, ça me réveillera. Enfin, peut-être. Par là. On partira donc à la découverte du château. Je fais des conneries dans le prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas, comme c'est marqué par là-bas, à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne TikTok, sur YouTube, il y a les rediffs de tous les jeux auxquels je joue, et sur TikTok, il y a un extrait tous les jours des jeux auxquels je joue aussi. Il y a des jeux d'horreur, il y a des jeux de plateforme, il y a des jeux narratifs, il y a des jeux de survie, il y a des jeux de chasse aux fantômes, il y a des jeux en coop avec mon amoureux, il y a plein de trucs, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et moi, je m'arrête là pour cet épisode. Bye bye.